Qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Non, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Devant, pas derrière, dedans, ok? Allez! Oui, bien, c'est un bon chat ça! Boulou boulou, tu vas y arriver! Boulou 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 boulou, continue! Tu peux le faire! Pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils. Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà. Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision, la vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel, avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah, hé Lou, on se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait. Complètement grotesque, les pompons. Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas. Hé Lou, tu rêves? Ton téléphone. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de... de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félis Sylvestris Catus? Votre chat. Ah, Hulk, il fait un somme.
Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution, je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 euros. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Ou puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Grâce à mon allure de chat dominant, votre brun de nuit fait comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait, the créateur de mode, l'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, Trésor, d'où sortit cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti, encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte, rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Bien, il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire sortez de chez moi. Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins une heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup.
Ça dépasse les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de coutures à faire. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. T'as vu ça? Les franges! Ouais, trop ringard! Complètement grotesque! Super, Lou! Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style, jamais. Ouah, c'est bien dit, ça! C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle.